Je suis Claire Fradet, je suis DRH pour les fonctions système d'info, finance et juridique chez Danone. J'ai commencé à travailler chez Danone il y a plus de 20 ans, d'abord dans des métiers un peu opérationnels en marketing pendant 13 ans, et ça fait 9 ans que je suis dans la fonction RH. Sur les trois fonctions dont je m'occupe, en particulier l'AIS, de contribuer à la transformation de la fonction, puis à gérer le développement des équipes, en particulier des directeurs en ce qui me concerne. Globalement, la fonction informatique chez Danone, c'est DANIS, Danone Information System, qui recouvre en fait les systèmes d'info et tout l'IT, bien sûr. L'organisation AIS est quand même une organisation qui peu à peu a évolué de façon indépendante par rapport à l'organisation business. Donc c'est Danone, en général, une organisation beaucoup décentralisée, avec des entités business et des patrons à leur tête, avec une certaine autonomie de gestion, etc. Et donc c'est décentralisé et c'est organisé par activité, les produits frais par rapport aux eaux, aux produits bébés, aux produits médicaux. Et contrairement à cette organisation business, l'AIS a une organisation très centralisée, donc tout le monde reporte au CIO. On a mis en place des personnes dédiées pour des hubs de pays, des regroupements de pays, qui sont des personnes, des RH, qui sont chargées de s'occuper de façon transversale, quelle que soit l'appartenance business, quel que soit le pays, dans un petit groupe de pays, des équipes AIS. Même si, de facto, on est obligé de vous gérer différemment, d'un point de vue organisationnel, c'est important, au contraire, d'appliquer les mêmes règles de gestion, les mêmes efforts pour pouvoir développer les équipes d'une fonction AIS à une autre ou avec les autres fonctions de l'entreprise, d'appliquer les mêmes process en termes d'évaluation de potentiel, les mêmes étapes en termes de gestion de carrière, etc. Et de ne pas différencier pour chacun individuellement la façon dont il est géré chez Danone. Pour 2012, justement, un objectif dans ce sens-là, où on leur a demandé, alors c'est pas toujours facile pour tout le monde, ça peut être un effort pour certains d'entre eux, et ça a fait l'objet de discussions assez vives récemment, de rencontrer au minimum 4 personnes du business chacun. On essaye de compenser la perception que peuvent avoir les gens du business en poussant les gens de l'AIS à aller voir le business davantage. Le turnover est un peu inférieur à la moyenne de Danone. Donc on a la chance d'avoir un turnover de l'ordre de 10%, alors que Danone est plutôt autour de 15% dans le monde entier. Avec un plus fort renouvellement dans les pays émergents, où là, on joue, je pense, un rôle important avec nos partenaires, puisqu'on développe des ressources, on leur apporte de l'expertise, et grâce à nous, ils deviennent plus intéressants, et on a tendance à les perdre sur le marché. Mais aussi, on est amené à recruter chez nos concurrents des experts des SAP ou de toutes les autres solutions qui sont aujourd'hui utilisées chez Danone pour pouvoir renouveler nos équipes. Les recrutements qu'on fait se font donc pour les profils les plus jeunes, principalement par les outils classiques que Danone utilise, donc un mix de réseaux sociaux et de notre portail de recrutement qui à la fois après a des relais dans les réseaux sociaux. On a suffisamment de bonnes candidatures qui arrivent chez Danone et qu'on peut sélectionner. Après, pour les profils plus expérimentés, on fait beaucoup appel à au réseau interne, donc nos collaborateurs, on leur demande s'ils connaissent. Alors pas directement chez nos prestataires, mais dans leurs anciens réseaux, dans leurs anciennes entreprises, dans leur réseau personnel, d'école, etc., des personnes qui correspondent au profil qu'on recherche. On a eu à une époque beaucoup d'échanges avec les autres fonctions au moment où on a lancé le projet SAP, il y a une dizaine d'années. Et parce qu'à ce moment-là, l'AIS avait besoin d'énormément de ressources, d'expertise de gens de supply chain, des achats, de finances ou des gens des usines qui sont venus dans les systèmes d'info pour pouvoir mettre en place des projets. Et certains d'entre eux, en grande majorité, sont repartis dans leur fonction d'origine. Au moment des déploiements des projets dans les pays, ça favorise les échanges entre les deux fonctions, l'AIS avec les autres fonctions de l'entreprise. Autrement, on a plus de mal à le faire. Il y a peu de mouvements entre AIS et IT. Les quelques mouvements qu'on fait sont toujours des mouvements extrêmement... en tout cas, sont des très bons exemples, parce que ceux qui font les mouvements entre les deux équipes, ont en général une carrière après qui est accélérée. Par ailleurs, on sait que pour pouvoir mener à bien les projets de façon qualitative, on peut avoir les deux compétences, c'est extrêmement utile. Savoir quelles sont les contraintes de l'IT pour mener un projet AIS, c'est extrêmement utile.
et le contraire également. On fait tous les deux ans une étude qui s'appelle Dan People Survey, et l'engagement des équipes AIS est similaire ou comparable à celui des autres fonctions. Mais ce qui était mis en évidence, c'est que les gens de l'AIS ne savaient pas très bien comment ils pouvaient se développer dans la fonction AIS. En fait, c'était plus une question de perception qu'une question de réalité, puisqu'il y a des mouvements de façon régulière, les gens bougent, mais peut-être qu'on... Enfin, les autres équipiers ne le savent pas assez. Donc déjà, on a fait un certain effort de communication, même si sans doute on reste un peu plus longtemps en poste chez Dan AIS que dans d'autres fonctions. Il y a une progression qui est possible et un développement qui est possible. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des comportements différents ou des attitudes différentes entre les jeunes ou la génération Y de la fonction AIS par rapport aux autres dans le reste de l'entreprise. Les jeunes ont la capacité à exprimer leurs attentes de façon beaucoup plus forte que ce que les générations plus âgées comme la mienne pouvaient faire à ce moment-là. Ils ont la capacité... exprimer leurs attentes, leurs doutes, leur volonté de mieux comprendre l'entreprise, comment se débrouiller, comment se développer dans l'entreprise. L'organisation est très hiérarchique. On leur dit ce qu'ils doivent faire, ils ont peu d'autonomie dans leurs tâches. Donc c'est une organisation à la fois pyramidale et à la fois en projet. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une expertise peut être détaché et être contributeur sur un projet. Je pense que ça permet aux équipes d'être mélangées et de peut-être de plus fluidifier cette communication qui peut être leur attente. Après, ce qu'on essaye de faire aussi pour contourner la hiérarchie et permettre aux jeunes d'exprimer et de partager avec les plus expérimentés leurs attentes et que les autres puissent les entendre, c'est de favoriser des contacts avec les N+2. Ce n'est pas une relation de management direct, c'est plus pour favoriser l'écoute, l'échange... et peut-être répondre à ces attentes de la génération Y, de savoir un peu plus quels sont les fils à tirer pour pouvoir mieux comprendre l'organisation, s'exprimer. Donc c'est une façon d'y répondre, je pense. En fait, il y a une grosse équipe à Paris, et puis après, il y a plein de monde dans le monde entier. Ce qui est amusant de voir, c'est que on a en interne une sorte de Facebook, qui est une Danone Social Network. Il y a énormément d'échanges de posts, de forums... sur des sujets qui dépassent à certains moments le pur contenu de leur job, et c'est amusant de voir comment ils utilisent ça de façon complètement publique pour raconter leur vie. Aujourd'hui, je suis allée dans tel pays pour discuter de ça, ou je suis à telle conférence, j'ai appris ça en trois lignes. Donc je pense qu'il y a une certaine liberté de parole dans ces forums qu'on a en interne, et ils se connaissent très très bien.